était largement en tête. Hein. Il avait 8 et quelques d'avance. Ensuite, nous avions donc avec sa plaque 355 Stéphane Coquin de VTT Valley du Bois qui était en compagnie de Michel Arnois. Ils étaient tous les deux pour la deuxième et troisième place. David Gandon était juste derrière à 20 secondes. Attention, ça arrive. Avec